Chapitre 7, interaction fondamentale. Exercice numéro 2. La constante de gravitation universelle vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. La constante de Coulomb vaut 8,99 fois 10 puissance 9 newton mètre carré par Coulomb au carré. On considère deux objets ponctuels A et B portant les charges électriques QA égale 1 microcoulomb et QB égale moins 10 microcoulomb. La distance qui les sépare vaut R égale 1 mm. Calculez la norme de la force électrostatique qui les exerce l'un sur l'autre. Représentez les forces électrostatiques. La valeur de la force électrostatique qu'exerce la particule A sur la particule B est égale à la valeur de la force électrostatique qu'exerce la particule B sur la particule A. Cette valeur est donnée par la loi de Coulomb. Elle vaut la constante de Coulomb K multipliée par la valeur absolue du produit des charges électriques de chacune des particules divisée par la distance qui les sépare élevée au carré. Dans cette formule, la charge électrique doit être exprimée en coulomb. 1 microcoulomb vaut 1 fois 10 puissance moins 6 coulomb. Moins 10 microcoulomb vaut moins 10 multiplié par 10 puissance moins 6 coulomb ou encore moins 1 fois 10 puissance moins 5 coulomb. La distance doit être, elle, exprimée en mètres. 1 mm correspond à 1 fois 10 puissance moins 3 mètres. Nous obtenons que la force électrique vaut 9 fois 10 puissance 4 newtons. Représentons les forces électrostatiques qui les exercent l'un sur l'autre. Pour cela, nous devons définir une échelle de représentation des vecteurs forces. Choisissons 1 cm sur le dessin pour 3 fois 10 puissance 4 newtons. Afin de représenter des vecteurs forces électriques dont la valeur vaut 9 fois 10 puissance 4 newtons, nous allons tracer des vecteurs de longueur 3 cm sur le dessin. Représentons les deux objets ponctuels A et B. La direction des forces électriques exercées par A sur B et par B sur A correspond à la direction de la droite AB. Ici, les deux charges ont des signes opposés, donc les forces électriques sont attractives. La force électrique exercée par A sur B s'applique au point B. La force électrique exercée par B sur A s'applique au point A. Comme les forces sont attractives, la force électrique exercée par A sur B est orientée de B vers A et la force électrique exercée par B sur A est orientée de A vers B. Comme ces vecteurs ont une valeur de 9 fois 10 puissance 4 newtons, nous les représentons sur le dessin avec une longueur de 3 cm.